retrouve ce matin sur le trail de Montigny. C'est le trail de Noël, le traditionnel, qui clôture mon année sportive. Donc on est avec les amis de la bande de le Team Ruban Bleu, Mario, Ophélie et Samba. Donc le départ est dans 10 minutes maintenant. On va pas tarder à aller se mettre en place. Et je vous dis à tout à l'heure, juste sur la ligne, pour prendre le départ de cette course. Donc c'est un 24 km. Allez, à tout à l'heure. 366 engagés. On va arriver seulement sur la ligne. Ouais, je pense qu'on va se caler là. Allez, dans 30 secondes le départ. Bonne course, hein, faites-vous plaisir, bonne course à vous tous. Un nouveau parcours. Voilà, je vais vous faire un décompte. Seb, t'es prêt? Alors attention. 3, 2, 1, partez! Voilà, bonne course à tous! C'est parti. Ce sont 6 coureurs sur le 24 km. Salut. Je ne pas trop va pour l'instant. À vrai dire, on est 360, je crois, sur cette course. On galope bien. On verra à la fin. Premier tour. Allez, une belle descente. On grince. Donc une belle descente qui glisse bien avec la boue. Alors on nous avertit que ça glisse. Je me dis au deuxième tour, tu remontes la veste. Et les petits supporters en forêt, ça fait plaisir. Ouais. Donc ils mettent 7, une petite montée pas trop dure. Et je pense qu'elle va piquer au deuxième tour celle-là. Allez, on a toujours un bon rythme avec Mario devant. Voilà. Terrain, comme je disais, un peu gras.
Et 5e kilomètre, 30 D+, 33 minutes de course pour ça, donc en une heure on aura fait 10 bornes je pense, donc on va être 2h30 à peu près sur le 24. Ah, Mario relance. Donc c'est reparti, allez, à tout à l'heure. C'est parti. Pour l'instant, hormis quelques bosses, le parcours est assez roulant. Donc les deux tours devraient se faire bien quand même. Allez, la petite musique au 7e kilomètre. Mais toujours bien. Excellent. Là 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 là. Ah, il est beau, hein. Ah oui, là, il... Magnifique. Attends, la racine. Merci. Donc on a vu le Père Noël. Et on le reverra sûrement au deuxième tour. Donc le vélo que vous voyez devant, c'est juste pour dire que le premier du 12 km, qui est parti une demi-heure après nous, arrive. Nous, on arrive seulement à la fin de notre premier tour, le premier arrive. Donc on va voir ça, je vous montrerai quand il va nous doubler, ça fait mal mais bon, c'est le jeu. Bravo messieurs. Bravo. Bon courage. Allez. Donc ça c'est les premiers du 12. Mario, tu veux pas aller suivre? Non. Ben, je veux bien aller suivre mais ça va pas durer longtemps. On est parti sur le deuxième tour. Le même parcours. Moitié de dénivelé. Allez, on va voir si c'est un peu plus glissant. Après le passage du 12 km. Je pense pas déjà. C'est pas si gras que ça. Le parcours lui est quand même plutôt roulant. Allez, on a fait les 12 premiers kilomètres en 1h15 je crois. Ça nous fait du 2h30 à peu près sur la globalité. Allez, je vous remontre un petit peu cette fois-ci la descente, voir si on va avoir droit à une petite chute. Mario, tu me fais une petite chute là? Non. Ouais, c'est pour le best-of. Mais non, Tom, il tombe quand il n'y a pas la caméra qui filme. Ah merde, pareil. Eh, j'aime pas le spectacle. Non, pas de chute. On va attendre la petite montée qui va bien. Donc là, cette partie-là est une vraie patinoire, clairement. Merci. Allez, bravo. Allez, on attend Mario. On est solidaire jusqu'au bout. Les montées du premier tour se font en marchant maintenant. Et ça glisse bien. Allez, on est au 17e kilomètre. Bon là c'est Mario qui a retrouvé du jus et moi qui en chie un petit peu là. Il accélère.
Regardez. Il a bien accéléré quand même. Allez, on lâche pas, on continue. Bon, la cheville tiraille un petit peu, ça devient dur. Franchement, mais on va rien lâcher comme d'habitude. Allez. Allez, on est quasiment au semi-marathon en 2h12. Je pense qu'on va faire le 24, 2h30 à peu près. C'est pas mal par contre. La cheville elle tire. Putain. Merde, je me mets à parler comme Tom. Et être vulgaire. Mais bon, ça fait chier effectivement. Allez, on avance. On essaye d'accrocher Mario qui a repris. Sans forcer pourtant. Mais avance devant. Le maximum. Je pense qu'on est en fin de parcours. Il y a quand même moins de monde aux intersections, je trouve, que sur le premier tour. J'ai juste une impression. J'ai l'impression qu'on est sur les. Ouais, j'ai beaucoup d'impression. Ouais. Donc, il y a moins de monde aux intersections. Un fait. Mais au premier tour, il y avait plus d'ambiance. Je pense vraiment qu'on est dans les derniers. Bon, en tout cas, j'ai appris. À l'arrivée, je vais avoir droit à mon petit verre de vin chaud et ça c'est cool. Allez, vous pouvez le faire au micro, au micro, au micro. Ah. Allez, les deux derniers kilomètres, la moindre accélération, même pas une accélération, le moindre fait que Mario avance, moi j'ai l'impression de ne pas accélérer. Il me met en douleur facilement, j'arrive pas à accélérer. La quatrième, un bon d'achat de 100 euros chez HN Sport. Merci beaucoup. Et voilà les amis, le trail de Montigny, c'est fini. Donc au final, 24 km, 414 je crois de D+. En compagnie de Mario de la team Ruban Bleu, un trail bien sympa, très gras par contre, clairement des bonnes portions de boue avec des descentes bien glissantes. Le parcours c'était deux boucles de 12,5 km. 12,5 km x 2 pour moi ça fait pas 23,4. Sauf si j'étais vraiment mauvais à l'école. Donc enfin bref, 23,4 en 2h30 à peu près avec Mario, un peu dur sur la fin. Je suis un peu douloureuse, ça on va faire en sorte de remettre tout au propre. Sinon, donc, comme je disais, c'était la dernière course de l'année. Et maintenant, c'est place au repos. Je vous dis à l'année prochaine. La première course sera peut-être pas avant février. Le planning de janvier étant assez chargé côté personnel. Donc, sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut les amis.